L'Afrique du Sud a réfuté les allégations de la FIFA selon lesquelles le pays aurait payé 10 millions de dollars américains de pots de vin pour s'assurer de la victoire de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Nous maintenons notre position qui est que lorsque nous avons distribué l'argent à la diaspora et effectué un versement de 10 millions de dollars, ce n'était pas pour de la corruption. Cela a été fait au grand jour et non pas de manière cachée, et c'est le premier point que nous tentons à clarifier. Le ministre sud-africain des Sports a expliqué que l'argent avait été à l'origine déboursé de manière légale pour le développement d'un programme pour la diaspora africaine dans les Caraïbes, mais que cet argent avait ensuite été utilisé de manière frauduleuse par d'autres personnes. Il a ajouté que la FIFA devrait retirer sa déclaration faite mercredi, alors que l'instance internationale cherche à récupérer des millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants en les poursuivant en justice aux États-Unis.